On a connu mieux. C'est vraiment une base à avoir, le cododo, sachant que vous mettez à côté de votre lit. Vous pouvez également descendre ici, c'est trop bien. Voilà, comme ça, bébé dort avec nous dans le lit. Et en plus de ça, je peux mettre incliné, donc pour les bébés qui ont du reflux, vous pouvez... Alors là, on vient de faire un joli bain. On va manger maintenant. Alors, on nourrit toi et après Mylon, c'est ça? Ou alors un tour chacun, moi, toi et papa Mylon. C'est ça qu'on fait, les deux en même temps. Bon app, mon chat. Bon appétit. Allez, à la douche. Tu mets les tutus dans le lit pour la douche, c'est très bien. Allez, on y va. Non, 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 allez, on y va. Allez, c'est parti. Camion. Non, pas pour la douche. Pourquoi tu inventes des fois? Camion, mais en quelle année? Allez, à la douche, hein, maman. Tu viens? Pose-moi ce camion, il va pas dans l'eau. Pas celui-là, il y a des jouets dans le bain. Ouais, celui-là c'est pour demain. Voilà, rangé. Les cartes, elles vont pas dans la douche non plus. Non. T'as d'autres idées comme ça? Non, elle va pas dans la douche. Elle va pas dans la douche. Tu la poses, on y va. Allez, range-la. Range pour demain. Pour demain. Allez, c'est parti! Je l'aime trop, il parle trop bien, c'est que du bonheur. Allez, on enlève les chaussettes. Quoi? Tu veux que je me lave les cheveux? Ça te plaît pas ma tête, ils ont l'air sales. Viens ici. Allez, viens, on s'assoit, on enlève les chaussettes. Regardez-moi cette canaille. Allez, viens, mets les chaussettes! On va pas à la douche habillée. Non, jamais. Habillée. Ben non. Ben c'est pour demain, pour aller à la crèche, les habits. La crèche. Avec tes copains? Mon copain. T'en as beaucoup? J'en ai beaucoup. T'en as beaucoup, beaucoup? Beaucoup. Tu enlèves les chaussettes? J'ai mangé. Tu as mangé? Tu enlèves tes chaussettes? Chaussettes. Allez, on les enlève. Très bien, par derrière, maman, je lui ai bien expliqué la dernière fois. Allez, vas-y, tu peux y arriver. Très bien, allez, la deuxième. Je lui ai appris parce qu'il n'arrivait pas à les enlever. Allez, maman, elle t'a bien expliqué la dernière fois. Très bien. Vas-y, mon fils. Vas-y, aide-toi avec l'autre. Tu vas y arriver parce que tu es grand. Vas-y, mon cœur. Voilà, bravo. Et du coup, évidemment, au sale, je l'aime trop. Comme je t'aime. Tout sale. Tout sale? Oh, faut les laver. Les laver. Ouais. Quoi, ouais? Très bien. Très, très bien. Aide-toi avec l'autre main. Les deux mains. Prends les deux mains. Voilà. Les deux mains. Poussez d'un corps. Quoi? Voilà. Et où c'est qu'on le met quand c'est fini? Très bien. Et ça? Et ça? Pareil. Allez, à la douche.
Qu'est-ce qu'il a, Mylène? Chapeau. Il a un chapeau? Eh oui. Chapeau encore. On est tout pareil que maman. Chapeau encore. Pareil que maman. Comme maman. Ouais, on a la petite serviette. T'es beau. L'histoire. De quoi? L'histoire. Tu veux qu'on lise l'histoire? Brosse à dents. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Caté avec la tutute. On a vraiment nos habitudes, quoi. Vraiment, on est comme ça. On peut pas dire le contraire. Mais Mylène, c'est vrai qu'il a toujours sa routine, quoi. Et puis, ça marche super bien, regardez. T'as pris laquelle? Celui-là? Ok. Non, mais ça suffit, je vais pas tout lire, Mylène. Deux, ça suffit. Viens. Il est parti, j'ai le temps de lire. Mylène, ça suffit, cela. Viens, ça suffit. Non, non, mais je te jure, maman, elle va pas lire tout un roman, là, hein. Je te jure, il va falloir aller au dodo, hein. Allez, viens. Gâté dodo. Gâté dodo, oui. Pas dodo. Quoi, pas dodo? Pas dodo. Pardon? Pardon? T'as quoi? J'ai là. Tu veux lequel? Allez, celui de Mylène. Allez, tu sais qui a marqué Mylène? Regarde. Celui-là, c'est le livre de Mylène. C'est que des livres qu'on t'a fait. Mylène sera grand. Un lit, maman. Allez, à tout à l'heure. Bonne nuit.